Autour du brasier qu'ils avaient allumé, car cette nuit il faisait vraiment froid, les gardes discutaient par petits groupes. Ils m'avaient détaché, jugeant à mon attitude que je ne chercherais pas à m'enfuir. De toute façon, avec ou sans lien, vu l'endroit et leur nombre, je ne risquais pas de m'échapper. En me tournant pour me chauffer le dos, j'ai aperçu Jean et Pierre dans la pénombre de l'entrée que rougeoyait par instant la lueur des flammes. Ils m'avaient donc suivi. Pierre se tenait en retrait. Jean parlait à la servante qui tenait la porte. Elle s'est reculée et tous deux ont franchi le seuil. Jean à l'aise, Pierre hésitant. Il n'avait fait que quelques pas quand elle a couru derrière eux et a attrapé Pierre par la manche. Il s'est arrêté, s'est retourné, elle lui a parlé. Pierre a nié de la tête. Elle s'est alors effacée, tandis qu'il faisait celui qui ne se pressait pas pour rejoindre Jean déjà en train de tendre ses mains devant le feu. Au vu du manteau de Pierre qui était de la même texture que le mien, l'un de ceux qui se chauffait a plaisanté quand il est arrivé. En voilà un qui était sûrement de ses disciples. Pierre a haussé les épaules pour bien lui faire comprendre, à lui et à ceux que la remarque avait fait retourner, que s'il en avait été, il ne serait pas ici. Jean lui a demandé « Qu'est-ce qu'elle te voulait ?» C'est à ce moment que Anne, le beau-père de Caïphe, a surgi. J'ai d'abord vu sa barbe blanche luire dans la pénombre. Il était manifestement tout excité à l'idée de me tenir enfin. Par le passé, je l'avais déjà vu, mais de loin. Il est plus âgé que je ne l'imaginais. Le chef des gardes lui a rendu compte. Tout s'est passé comme prévu, hormis une petite résistance. Malchus a reçu un coup d'épée sur l'oreille, mais il la lui a guérie, a-t-il répondu, en me désignant de la tête. Montre. Malchus s'est approché et a présenté son oreille au grand prêtre. Celui-ci l'a examinée, puis, d'un revers de main, lui a fait signe de disposer. Était-ce pour justifier la raison pour laquelle une telle arrestation leur avait été commandée de nuit, pour affirmer son autorité? Anne, après m'avoir longuement regardé, s'est mise à m'interroger sous prétexte de s'enquérir sur mes disciples et de se renseigner sur ma doctrine. Comme je lui répondais que s'il avait vraiment voulu en prendre connaissance et rencontrer ceux qui me suivaient, il avait eu tout loisir de le faire chaque jour en venant sur les parvis du temple où j'enseignais, l'un des gardes a bondi et m'a giflé. « C'est ainsi que tu parles au grand prêtre ?» Croyait-il bien faire? Voulait-il se rendre intéressant? Était-il vraiment scandalisé? Je lui ai demandé. Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne a clos l'incident en ordonnant de me conduire plus tard chez son gendre, Caïphe, le grand prêtre en exercice. Mais suffisamment tôt, a-t-il précisé. Je veux qu'il comparaisse devant le Sanhédrin dès le lever du soleil. Il a traversé la cour sans attendre et s'est hâté vers la sortie. S'est-il rendu chez lui? Qu'est-il allé faire? Nous n'avions pas vu le temps passer. Lorsque ne s'échappèrent plus des bûches calcinées que quelques flamèches filant entre les braises et que le froid commença à pincer, celui qui commandait a donc donné l'ordre de m'attacher les mains. Et nous nous sommes mis en route. C'est alors que l'un des gardes, si j'ai bien compris, c'est l'un des parents de celui dont j'ai guéri l'oreille, s'est avisé que Pierre était galiléen, comme moi. Il lui a demandé, en me désignant, « Ne serais-tu pas de ses disciples, par hasard ?» Pierre a une nouvelle fois nié, énergiquement. Un coq a chanté. Oh, le regard désespéré que Pierre m'a lancé.